Bonjour et bonsoir. Je salue chaque camarade, chaque haïtien, compatriote, quel que soit côté dans la planète là. Et je salue toute diaspora haïtienne. Et je salue chaque haïtien qui est dans le pays. Et je salue surtout et quelques compatriotes qui vivent en République dominicaine. Et je dis, on va faire un petit parler sur évolution, situation qui existait entre la République dominicaine et la République d'Haïti. Et on va faire quelques mises au point avec nous. Et si nous remarquons depuis tout au cours de semaine, on n'a pas intervenu sur le dossier ça. On n'a pas ni posté, on n'a pas ni intervenu, on a fait un camping. Et les raisons qui t'ont poussé à camper, c'est parce que moi t'ai suivi une tendance qui t'a développé au niveau de des réseaux sociaux et m'a suivi aussi comportement de quelques citoyens haïtiens dans le pays d'Haïti. Et m'estimer que un pile monde a parlé sur dossier ça. Mais il n'y a pas vraiment mesuré et évalué les enjeux. Et ceci étant dit, mes chers amis, ça expliquait en quelque sorte le comportement précaire que quelques de nos compatriotes gagnaient vis-à-vis de situation ça. Quand je dis précaire, je dis primitif, dans la mesure où il n'y a pas vraiment maîtrisé certaines notions clés. Et carence en matière de maîtrise de ces notions, vient faire mon nom, mettez-y dans l'incapacité pour y capable faire une analyse approfondie sur situation, ça, qui impliquait deux pays, ça. Tout d'abord, je veux être clair. Situation, ça, qui a déroulé entre la République dominicaine et Haïti, sur frontière d'Abonnan, c'est pas une situation qui a un rapport seulement avec question économique. L'enjeu principal, c'est d'abord une question de souveraineté nationale. Maintenant, je sais que un pile dans nous pas des experts en matière de sécurité nationale. Il y a des notions que nous pas familiers avec eux, telles que souveraineté nationale, intégrité du territoire. Des notions telles que défense nationale, sécurité nationale, politique étrangère, diplomatie. Il y a des notions, en quelque sorte, le plus souvent, qui réservées à quelques experts. Mais malheureusement, nous sommes capables de remarquer certains experts dans le pays d'Haïti en matière de sécurité nationale, de politique étrangère. Ils sont obligés de fermer bouche sous dossier, ça, compte tenu des intérêts en jeu. Le silence de ces experts n'est pas anodin. Ce sont son silence réfléchi, choisi. Et si nous remarquons, bien entendu, il y a la classe mulatte syro-libanais en dedans pays d'Haïti aussi qui fait preuve de ce qui fait silence. Parce qu'il y a des grands intérêts qui sont en jeu. Il y a bien entendu aussi des intérêts de certains de la classe politique, quelques personnalités de notre classe politique, qui, en quelque sorte, menacés et par voie de conséquence, ces hommes politiques, ils ont fait silence sur un dossier aussi crucial. Maintenant, tout d'abord, je vais être clair là-dessus. Le comportement du gouvernement dominicain, son comportement d'hostilité, d'agressivité. D'hostilité, d'agressivité est provocateur. Pour quelle raison? Tout d'abord, le gouvernement, le président Abinader, a unilatéralement pris la décision unilatérale, de façon unilatérale, il prend décision pour fermer frontières. Tout d'abord, il procède à ultimatum. Il a un ultimatum, alors que le gouvernement haïtien n'était pas concerné et au courant de sa capacité. Maintenant, cet ultimatum, ça, c'est une injonction qu'il a laissé faire sur le gouvernement haïtien pour mettre le gouvernement haïtien face à la population haïtienne qui, dans son droit en tant que peuple souverain, pour être capable de prendre prise, bien entendu, ce canal
sous rivière massacre. Maintenant, ceci étant dit, le gouvernement dominicain, pour faire injonction au gouvernement haïtien, prend décision de façon unilatérale, côté le bail ultimatum, et à partir de l'ultimatum, ça, les villes arrivées, bien entendu, fermées frontières maritimes, terrestres et aériennes par rapport vis-à-vis d'Haïti. Mes chers amis, cette situation, cette décision unilatérale du gouvernement dominicain, les visait à faire injonction, à imposer au gouvernement haïtien volonté et déshydratali. Ceci étant dit, il crée une porte ouverte pour dialogue, mais il fait injonction. Maintenant, il faut comprendre que ces mesures du gouvernement dominicain, ce sont des mesures punitives, oui, pour monde qui pas vraiment maîtrisé diplomatie. Maintenant, li agressif tout d'abord, parce que le ton, l'action et la mesure et la décision qui est prise, c'est un ton imposant, c'est un ton de supériorité par rapport avec Haïti. Deuxièmement, le déploiement des forces militaires dominicaines sur les frontières entre Haïti et la République dominicaine les constitue en quelque sorte une provocation. Non seulement son ton qui est extrêmement dur, mais aussi une provocation qui est faite par le déploiement des forces militaires sous frontières là. Et troisième bagaille pour nous constater, c'est le fait que utiliser la problématique de l'immigration, le fait que Haïtien a l'empêche ça à travail pour le capable exploiter faiblesse migratoire nous en République dominicaine pour le capable faire injonction sur le gouvernement haïtien de façon à ce que pour nous plier compte tenu que nous avons des intérêts économiques, non seulement l'élite économique et politique haïtienne gagne des intérêts économiques en République dominicaine, mais aussi parce que nos compatriotes haïtiens et à travail représenté à peu près presque 1 million haïtiens qui travaillent en République dominicaine dans des domaines des secteurs tels que construction et plantation et canne à sucre, you know. En fait, il faut comprendre ici l'enjeu. Les autres femmes disent nous ça, c'est parce que il faut être réaliste. Réaliste d'abord, dans la mesure où, si nous gardons problème ça, seulement dans l'aspect économique, si nous gardons problème ça, seulement dans l'aspect économique, nous pas garder les enjeux de souveraineté nationale, les enjeux de sécurité nationale, les problématiques relatives à la politique étrangère d'Haïti vis-à-vis de la République dominicaine. Si nous pas garder les problématiques ça, les enjeux relatifs à notre défense et l'intégrité de notre territoire, bien que nous n'ayons pas armé sous pied. Maintenant, je vais dire un petit bagage clair. C'est que nous avons privé nos situations. Côté que le monde entier a assisté à l'évolution de la situation. Ça. Le monde entier chita y a observé, l'Amérique latine y a chita y a observé, les Caraïbes y a chita y a observé évolution situation ça. Et les États-Unis, les grandes puissances y a chita y a observé. Pour qui raison y a observé? M'a dit nous ça je dis hein. N'a joué dernier green card. Haïti face à la République dominicaine a joué dernier green card li pour exister dans le monde ça en tant que peuple digne de peuple noir qui te prend indépendance li en tant que peuple libre dans le monde là en 1804. Et nous devons penser sur la question de dire il y a poids de ce qu'a pourri la caille dominicaine, de al travail caille dominicain. Nous penser que c'est simple ça lié. Non, c'est pas du tout ça. Nous trouvons nous dans une situation côté que la fermeté doit être la priorité dans la décision à prendre. Écoutez bien.
Nous pourrons jouer nous une équipe individu qui pourra monter sur les créneaux. Le comportement de ces individus, il pourra le clair. Tout d'abord, il pourra le dire que nous pas gain avantage pour nous batailler avec la République dominicaine. On appelle ça déflexion. De même aussi, nous pas gain avantage pour nous te batailler face avec la plus grande puissance de l'Europe qui c'était l'armée napoléonienne. Pas quitter moun jeune en tête tout pour venir faut comprendre militairement nous pas suffisamment équipés. C'est pas une question de militaire ni de stratégie. C'est une question de volonté. C'est une question de capacité au gain pour résister. C'est une question de qui sont prêts pour perdre. Nous avons plus, la République dominicaine est plus à perdre si une bataille militaire qui fait que Haïti. Deuxième bagarre m'a dit. Je veux être clair là-dessus. Le monde a assisté s'il n'a fait bac, s'il n'a quitté la République dominicaine, qui prend décision de façon unilatérale. Et puis pour le pousser, nous, vient sur table de négociation. C'est pas une négociation. C'est la diplomatie coercitive. La diplomatie coercitive consiste à imposer des sanctions avec un adversaire ou bien autre partie pour forcer le chita sur table de négociation. Et depuis le vient sous table de négociation, c'est pas négociation qu'a fait. C'est pas dialogue qu'a fait. C'est imposition de la volonté de celui qui a imposé les sanctions, c'est lui-même qui va le passer. Ça me le dit pas là. Dans la diplomatie coercitive, ou imposer sanctions d'abord, ou fermer frontières, ou déployer forces militaires, et ou bail des ultimatums pour capable chita pour négocier. Ça y dit, ça je le dis pas là. La République dominicaine paraît, lui, fermer frontières, ok, la fait déportation massive, et lui déploie force militaire lui et lui bail ultimatum pour le chita pour négocier ou bien pour dialoguer avec Haïti. Et dans ultimatum ça c'est que nous devons camper sous construction canal là. Maintenant écoutez bien mes chers amis. Écoutez bien. Gouvernement haïtien trouve face à une situation. Li doué jouer de façon stratégique. Stratégique. Dans quel sens? Nous pour dialogue. Il n'y a aucun problème pour nous dialoguer. Mais nous pas dialoguer par un sous injonction. Nous pas dialoguer avec ultimatum. C'est Timoun ou parler avec ultimatum. C'est Timoun ou traîner sous table négociation avec ultimatum. C'est Timoun ou sanctionné, le fin sanctionné, ou menen sous table, ou vindi pour caresser tête pour parler avec. Non! Nous sommes un pays qui souverain. Nous sommes un pays qui indépendant. Nous sommes une nation qui a une grande histoire. Nous sommes un peuple qui grand. Et le monde entier connaît nous. Connaît qui capacité nous gagne. Que ce que nous avons accompli. Nous n'en face là. Nous n'avons un moment historique depuis que nous existons en tant que peuple. Moment historique ça, c'est pas le moment pour nous faire preuve de faiblesse. C'est pas le moment pour le gouvernement haïtien venir faire preuve de faiblesse. D'ailleurs, la population haïtienne, gouvernement haïtien pas qu'à venir dire que la protéger la population haïtienne. La population haïtienne pendant un certain nombre de temps t'est guettant livré à lui-même. Il était livré à lui-même face à l'insécurité. Il était livré à lui-même face à la misère. Il était livré à lui-même face avec les injonctions de la République dominicaine. Il était livré face à lui-même face à forme de maltraitance que Haïti a subi en République dominicaine. Maintenant, faites attention. Le peuple, le gouvernement haïtien, papa, agit au nom du peuple haïtien pour le dire, pour le négocier. Non. Non. Il n'y a pas de négociation possible parce que un canal là pas de campé et canal là pas campé. Ça va nous clair sous lit. T'aimerais dire ça m'a dit encore. Un canal là pas de campé et canal là pas campé. Il faut nous clair sous ça.
quelle que soit forme tractation que tu as supposé faire, quel que soit monde qui a fait machination politique, quel que soit manœuvre et magouille qui a fait, n'est qui gagne intérêt mesquin en République dominicaine, n'est qui gagne intérêt caché en République dominicaine, qui a derrière manipulé les peuples là. Faut nous clair sur ça. Canal là, pas doué camper et le pape camper. Dis pas doué camper. C'est le choix de peuple souverain pour assurer survie économique. Li. Il pas doué camper. Il faut nous rester ferme sur ça. Maintenant, ceci étant dit, mes chers amis, les injonctions et le comportement agressif du gouvernement dominicain, en l'occurrence le président Luis Abinader, c'est vis-à-vis du gouvernement haïtien au fait. Abinader pas un imbécile. Abinader target deux catégories de monde. En dedans pays d'Haïti. Li voit que action ça pose là, c'est le peuple souverain qui décidait prendre destin en main. Abandonné par un gouvernement, pas gain l'état en faillite, élite politique là abandonné peuple là, OK? Pas gain projet viable, pas gain projet de vie pour de société pour peuple population. Hein? OK, c'est corruption qui a gangréné dans l'état et mulatti au libanais en quelque sorte. Projet yo, c'est investi dans la République dominicaine pour propulser l'économie dominicaine au détriment d'Haïti. Maintenant le peuple haïtien trouve le pour contre lui. Et il prend décision pour le prendre destin en main. De même aussi pour question bois calé, c'est le peuple haïtien qui a réagi face avec l'insécurité. Question canal là, c'est le peuple haïtien dans son droit souverain qui décide agit pour canaliser tête li en ressources hydrauliques pour capable arroser espace territorial li pour assurer survie économique li. Maintenant il faut comprendre que à aucun moment le gouvernement haïtien n'avait pensé pour te aider peuple haïtien. À aucun moment le gouvernement haïtien pas pensé pour te supporter, accompagner peuple haïtien. Non seulement dans la question de sécurité, dans la question de sécurité alimentaire, dans la question de sécurité et droit li, de peuple de ville, non, il n'y a pas de faire ça. Au contraire, c'était l'oppression massive qui t'a faite sur le peuple haïtien. Maintenant, le peuple haïtien décide de prendre destin en main. Maintenant, il faut comprendre que l'enjeu ici, c'est un enjeu de taille. C'est pas un enjeu simple. Et, mes chers amis, cette division, cette méfiance qui existe entre le peuple haïtien et le gouvernement haïtien, c'est ce méfiance-là, ce désaccord, cette désunion que Abinader a essayé d'exploiter. L'a essayé d'exploiter parce que il pas qu'à faire injonction sur le peuple haïtien. Parce que le peuple haïtien est souverain dans ses droits. Abinader a fait injonction sur le gouvernement haïtien, pensant que la baille gouvernement haïtien contrainte, l'a fait injonction sur l'élite économique mulatti au Libanais en dedans pays, pour qu'a fait pression sur le gouvernement haïtien, l'a fait injonction à travers les sanctions. Écoutez bien, expliquez-nous bien, pour nous comprendre bien action Abinader Bozéa. Remarquez, pour moun qui pas fin bien saisi, ça Abinader fait là. Premier groupe moun Abinader target, c'est le gouvernement haïtien. Les target le gouvernement haïtien, l'elle prend décision unilatérale pour fermer frontière. Les target le gouvernement haïtien, l'elle prend des décisions unilatérales pour déployer force militaire sous frontière là. Ça, c'est le gouvernement haïtien le target. Deuxième catégorie, élite monsieur target, c'est mulatti au Libanais. Qui connaît qui gagne des intérêts économiques qu'a acheté en République dominicaine pour venir envahir marché haïtien. Il connaît que l'élite mulatti au Libanais, en dedans pays d'Haïti, ce sont des, sont élites compradors, yoyi. C'est acheter seulement.
Ce sont des commerçants. Ils ont pas produit dans le pays d'Haïti. Ils ont pas valorisé production nationale. Ils ont investi en République dominicaine, produit en République dominicaine, acheté produit en République dominicaine et puis envahi marché pays d'Haïti. OK? Et puis pour diaspora voyer l'argent par famille en Haïti pour famille capable consommer. Yo créé une économie d'importation et de consommation en dedans pays d'Haïti. Yo pas créé, yo pas mettre en place une économie de production. Yo mettre une économie une économie de commerce, d'importation et ça relève de consommation. Maintenant faites très attention. Abinader pas imbécile, li connaît nous pas produit. Li connaît c'est yo qui produit pour nous. Vous connaissez Haïti son débouché économique pour les produits dominicains. Vous connaissez que l'élite économique mulatio libanais en dedans pays. Il y a un lien gros intérêt yo dans l'économie dominicaine. Maintenant, l'elle décide pour produire pas entrer en dedans pays d'Haïti. L'elle décide pour produire pas passer ni en l'air, ni en bas, ni à terre, ni dans l'eau pour arriver sur le marché haïtien. Vous connaissez en quelque sorte. C'est l'élite ça, mulatio libanais yo, que l'a taclé, l'a sanctionné. Alors c'est une sanction. L'a sanctionné yo pour le faire quitter Radies. Maintenant, à remarquer, les target gouvernement, les target mulatio libanais yo, gon troisième groupe target là, c'est ce qu'on appelle l'élite politique là. Les monsieur remarqué en quelque sorte. Le peuple haïtien de tous ses droits de peuple souverain décide de rester solide, camper raide. Eh bien, qui ça le fait? Il choisit, en quelque sorte, sanctionner des politiciens, des hommes et des femmes qui décident de porter soutien, yo, qui décident de porter apport, yo, des hommes politiques et des femmes, tant que Jacques Sauvé Jean, tant que, on sait de politiciens, ok? Et sénateur que sanctionner parce que sénateur ça yo en quelque sorte yo décidé pour tes apport yo décidé pour tes soutien yo vers population wana maintenant qui de son plein droit de peuple souverain décidé faire un canal pour irriguer terre arable pour le produit et puis pour répondre avec besoin et sécurité alimentaire. Maintenant écoutez bien ça me va le dire là. Est-ce que nous gagnons plus à gagner que à perdre? Non. Nous pas gagner rien à perdre. Nous sommes dans un processus de conscience nationale. Qui ça nous gagne pour nous perdre? Nada. Yo craser l'armée nous. Yo craser l'État. Yo craser entreprise publique nous. Yo craser production nationale nous. Yo craser institution pays. Yo créer gang insécurité, yo créer la misère, yo créer grand goût, yo créer déportation, yo forcer nous à exil. En réalité, m'a dit non ti bagay. Nous avons rien à perdre. Et m'a dit non ça. Celui qui n'a rien à perdre a tout à gagner. M'a prédit ça encore. Un peuple qui n'a rien à perdre, il a tout à gagner. Ti chantage, République Dominicaine à faire. Abinader à faire. Li connaît bien, en quelque sorte. C'est le peuple haïtien, dans son ensemble, qui décide de construire le canal là. Li connaît bien. Mais puisque le PAC a fait injonction, sur le peuple haïtien, les target l'élite haïtienne, les target le gouvernement, les target la classe politique, les target les mulats et les syro-libanais, de façon à ce que pour ces trois groupes, mettez tête ensemble, pour y aller faire un massacre, pour y aller faire une oppression massive, sous population haïtienne. T'aimerais dire samedi encore. M'aimerais dire encore. Abinader n'est pas un imbécile. Il sait exactement ce qu'il fait.
Monsieur décidé, target gouvernement haïtien, ok? Il décide target Milati au Libanais en dedans pays, hein? Il décide target classe politique là. Et grand pile nèg, li getan konnen classe politique la Milati yo avec l'État, l'élite haïtienne nan déjà en faiblesse à cause de sanctions américaines, à cause de sanctions Canada, à cause de sanctions on sait de pays à bail. Li getan comprendre que bien entendu l'élite économique Milati yo Libanais, l'élite politique en dedans pays d'Haïti et le gouvernement haïtien, li getan konnen que on en position de faiblesse. Et d'ailleurs, c'est parce qu'elle connaît que cette élite haïtienne est en position de faiblesse que lui prend le malin plaisir pour faire injonction, pour prendre décision unilatérale ça, pour imposer mesure coercitive ça elle prend là de façon à ce que pour faire répression. Voyez gang vient craser travail peuple ça faire. Non d'abord. Pas étonné nous pour nous gang commencer à monter mamlade. T'aime dit ça m'a dit bien. Puis gars nous étonné nous tant des gang à monter mamlade. Puis gars nous étonné nous pour nous tant des gang à travailler pour monter bon rivière. Nous connaît bien qui est-ce qui dé contrôle gang en dedans pays d'Haïti. Maintenant déplacement conflit ça, question gang, pour arriver sous frontière, pour arriver côté canal là, c'est toujours la même stratégie. Pour faire pression, pour faire oppression sous peuple wana maintenant, pour yon bail vague, pour yon camper canal là. Faites attention, son grand bataille qui là, puis quand nous pensons son bagage jouet qui là. Parce que en réalité, moun qui est pour perdu là, c'est Milati yo Libanais yo, c'est politiciens traditionnels yo, c'est yo qui a pris coup là. T'aimerais dire samedi encore pour nous comprendre l'enjeu ici. Moun qui a pris coup là, et yo n'a raison qu'il faut ouais Abinader prend décision sur elle prend de façon unilatérale, à l'aise comme ça. C'est parce que le connaît, li aligné li avec la position des États-Unis et la position du Canada. Li connaît, Abinader pas fou mes chers amis. Abinader pas fou, Abinader connaît, li pas qu'à lever bon matin dans yon monde, dans yon pays, dans côté le monde mondialisé. Côté que c'est le libéralisme économique qui a gouverné, côté que c'est libre-échange qui a fait pour lever un bon matin pour fermer toutes les trois frontières li et puis pour déployer et force militaire li sous frontière li et puis pour faire injonction pour la détruire moun en république li connaît clair que ça l'a fait là en quelque sorte c'est violation flagrante de ensemble des règles au niveau international li connaît ça mais li connaît aussi que les États-Unis et le Canada en quelque sorte déjà après des mesures punitives, des sanctions contre certaines personnalités politiques, économiques et publiques dans le pays d'Haïti, ils profitaient de l'environnement. Ça, pour le capable lui-même imposer lui, asseoir domination dominicaine sur Haïti. Maintenant, voyons les choses de plus près, mes chers amis. Voyons les plus de plus près. Mais comment yon pral procéder? M'a dit nous comment yon pral procéder. Un, yon pral viser à déstabiliser mouvement. Comment yon pral déstabiliser mouvement? Tendez bien. Yon pral utiliser yon bagay yon les communications. Communication, c'est le moment que yon pral derrière acheter des influenceurs sur les réseaux sociaux. L'homme dit acheter des influenceurs sur les réseaux sociaux, yo pral derrière utiliser une série de plateformes pour yo influencer le comportement de peuple là, peuple haïtien. Maintenant, remarquez bien, nous sommes dans un contexte de prise de conscience nationale
côté nous sentir que tout le sens patriotisme est en train de développer en dedans société haïtienne. Dans côté moun yo senti yo impliqué de près ou de loin, côté haïtien a quitté la République dominicaine, a vini dans pays yo, parole yo brûlant, moun yo di kon ça, OK, m'piton nan pays moi, même les son maï manger, même les patates m'a manger, quitte m nan pays, c'est-à-dire le sens patriotique, l'amour du terroir, li commence à manifester chez nos frères et nos sœurs en pays en territoire étranger, yo besoin vini en dedans pays yo et yo senti yo bon fierté pour y rentrer la caillou, même les yo konnen yo pral faire face à la misère, même les yo konnen yo pral faire face à grand goût, mais yo konnen aussi avec cette force patriotique ça gagne hein, yo prêt pour le travail, yo prêt pour souffrir, mais y a kembe fierté yo, y a kembe dignité yo de peuple, y a kembe dignité yo au plus haut niveau, cette fierté nationale. Maintenant il faut comprendre que ou pral joine on série de nèg, yo pral mettre sur les réseaux sociaux, yo pral voyer on série de monsieur sur réseaux sociaux hein, qui pour vinn craser feu mouvement l'élan patriotique, qui pour vinn camper face à cette détermination du peuple haïtien en tant que peuple souverain pour yo asserver doyo pour yo capable irriguer et manger tant que tout le monde. Nèg sa yo pral paraître, yo pral vinn di comme ça, oh oui, nous pas ka bataille contre République Dominicaine. Nous pas gen moyen pour une bataille contre République Dominicaine. Li pas nan avantage nous pour nous camper face à République Dominicaine. Maintenant, faut comprendre bien l'enjeu parce que le narratif yo pral derrière contrôler narratif là pour yo réorienter peuple là dans un sentiment de faiblesse, dans un sentiment de peur, pour faire peuple là comprendre que yo pas qu'à camper face à la République Dominicaine. Ou pas de conseil de nek qui dit oui, bagay ça fait gros ponyet, pas mener nous pièce côté, camper jan camper là, li pas prendre nous en rien, nous pas rien pour régler avec lui. C'est là. Nous pas game ça. Si nous remarquons bien sur les réseaux sociaux, si nous pas fait très attention, n'a pas game ça commencer à faire tous les réseaux sociaux. Ou après, on s'est du nègre qui commençait à jouer game, faire nous comprendre, bon, écoutez, si t'as gombaga qui fait, t'es Haïti qui a perdu, c'est nous même, oui, économiquement, nous pas qu'à bataille avec Dominicain, c'est nous même qui a perdu, c'est nous même qui grand goût, c'est nous même qui besoin, c'est nous même qui n'a nécessité, super. Parce que nous avons fait une semaine, mes chers amis. Je viens de passer une semaine entière à observer le comportement de certains influenceurs, certains individus sur les réseaux sociaux. Nous avons une semaine, mes chers amis, observer. Parce que il m'a fallu un temps pour observer. Il prend du temps pour m'observer. Ou pas le bon groupe monde. Moun sa yo pral paraître. Yo brazo, mais sou sou bien background moun sa yo, ou après ce sont des individus en quelque sorte qui toujours dangereux. Ce sont des individus réflexion, c'est seulement économique. C'est soit yo gon ti business en République Dominicaine, OK? C'est soit yo gen ti famille yo en République Dominicaine, c'est soit yo gen yon ti, c'est là yo qu'on a l'embousin en République Dominicaine, c'est là yo qu'on a l'envoyage en République Dominicaine, ou après yo commencer à faire défection. Dans bon langage, y aurait les ça défection. Défection, qui ça veut dire? Son groupe moun qui décidait, les en bataille a bien fait, les en bataille a bien mené, et puis ont décidé pour yo jouer en jouet. Mesdames, audacieux, comme si ou pas qu'à bataille, ou pas capable, n'a perdu déjà. Faites très attention, mes chers amis. Identifiez ces individus. Ce sont des ennemis intérieurs à la nation. Ce sont des ennemis intérieurs, des ennemis domestiques à la souveraineté nationale. Son dans le monde, c'est crasse mal moulé, crasse diri, crasse blé, crasse caca y a mangé en bas mais République Dominicaine. Et yon prêt pour assassiner le rêve haïtien. Yon prêt pour yon cracher sur notre capacité en tant que peuple. OK, en tant que peuple souverain, yo prêt pour yo cracher sur nous. Mes chers amis, faites très attention. Et je dis ça sincèrement. C'est parce que nous arrivons dans un moment. C'est pour question de dire à quoi qu'il a. Le monde entier a observé nous.
Le monde entier a observé qui ça a fait. Le monde entier a regardé si n'a fait bac. Le monde entier a regardé pour nous si nous toujours été haïtiens. Le monde entier a parlé pour nous si nous dignes d'être un peuple fier de notre histoire. Le monde entier a regardé. La Russie a regardé. OK? L'Allemagne a regardé. OK? La Chine a observé. Le monde a regardé nous dans moment ça. Et il y a une raison claire qui fait le monde a regardé. Le monde a regardé parce que yo connaît nous son grand peuple. Yo connaît que nous avons fait l'histoire. Yo connaît que qui ça nous accompli déjà. Yo connaît les haïtiens unis, yo. Les haïtiens prennent conscience yo en tant que peuple, en tant que nation, les on met tête ensemble qui ça yo ka accompli. Le monde entier a observé. Qui ça nous va le faire? Est-ce que nous va le mettre à genoux devant la République dominicaine? Est-ce que nous va le faire bas? Est-ce que nous avons fermé le canal là? Est-ce que nous avons campé sous décision nous? Et puis, pour nous perdre, si ça nous retient, qui se fierté nous? En 1915, États-Unis entrent, ils viennent craser l'armée indigène en dedans pays d'Haïti. Ils nous ont un gendarmerie. Depuis l'ère, la République dominicaine commence à ouvrir Bundalzono. Depuis les Américains finent craser l'armée indigène, Libanon, ti gendarmerie Bouda chiré. La République dominicaine, et c'est la raison pour laquelle que le massacre de Persil t'est fait, c'est parce que Amérique était entré, li vin craser l'armée indigène, Libanon, on ti bout, l'armée, on ti bout, et gendarmerie, et bien, en 1937, la République dominicaine assassiné sous dictateur Trujillo, assassiné plus, massacré plus, passé 30 000 haïtiens. Mais ça, c'était sous Stenio Vincent. On timulate qui était président. T'aimes dire non, petit bagaille. Nous sommes pas en guerre contre la République dominicaine. Nous sommes en guerre depuis plus passé 200 ans contre un ordre mondial capitaliste, esclavagiste, colonialiste, sauvage, qui a cherché pour à modeler nous, à imager. Nous sommes un peuple résistant. Et yo conscient de notre capacité de résilience et de résistance. Nous sommes peuple qui ont esprit de résistance. Nous sommes peuple qui ont esprit de résilience, pas qu'à comparer avec rien. D'ailleurs, la dernière fois que yo comparé le peuple haïtien, c'est à deux peuples yo comparé le peuple haïtien. Le peuple haïtien était comparé avec le peuple vietnamien. Le peuple haïtien a été comparé récemment au peuple Afghanistan. C'est deux peuples ça yo, en quelque sorte, que yo comparé avec le peuple haïtien. Par leur capacité à résister, par leur capacité à faire face à l'oppresseur. Alors, faut nous comprendre bien. Il y a des gens qui pensent que c'est un petit bagaille qui a un rapport avec la République dominicaine. Non. C'est à finir, mais je finis avec nous sur le plan psychologique. Qui ça n'est fait? Yo démantelé nous. Et physiquement, stratégiquement. Yo crasé l'armée nous. Yo crasé production nationale nous. De vous baguer l'armée, vous pas défendre territoire. De vous baguer production nationale, vous pas nourrir peuple. Écoutez bien. Yo crasé l'armée, yo crasé production nationale nous. Parce que bon guerre contre Haïti, mais son guerre douce liée. Faut intelligent pour voir que gon guerre contre Haïti. Gon guerre contre ce peuple pour empêcher d'exister. Comme on voulait, la République dominicaine, après se voir formation militaire, après se voir, ZAM, même l'Occident, pendant ce temps, même l'Occident, ça mettait embargo, ZAM sur Haïti. Comme on voulait, la République dominicaine a renforcé capacité militaire li. OK, l'a approvisionné li en armes de guerre, l'a approvisionné li en munitions en Occident. Pendant ce temps, les États-Unis comprend quoi, li interdit nous pour nous gon l'armée solide en dedans pays ça, en dedans pays d'Haïti. Pendant ce temps, gang fin envahi pays hein, yo préféré déployer yon force multinationale pour entrer dans le pays,
vient assurer cette fonction régalienne de la sécurité de l'État et de la population, au lieu que de quitter Haïtien, mettez en place propre l'armée. Pour qui raison? C'est étranger, c'est une force multinationale, nous besoin qui pouvait nous combattre gang. Pour qui raison ils n'ont pas accompagné l'armée d'Haïti, professionnaliser, donner les moyens, les équipements pour le mener à bien. Bataille. Ils n'ont pas gagné intérêt. Raison qui fait qu'ils n'ont pas gagné intérêt, parce que depuis bien longtemps, ils ont choisi la République dominicaine. Pas dit nous bien. Il y a des gens qui ne connaissent pas le problème États-Unis avec Haïti. États-Unis ont un bon petit problème avec Haïti. Premier problème États-Unis ont avec Haïti, c'est parce que Haïti a une leçon par rapport au système esclavagiste, alors que les États-Unis ont un esclave, la Cali. Maintenant, il faut comprendre l'enjeu. L'enjeu est de taille. Deuxième bagaille qui fait États-Unis ont un problème avec Haïti, c'est bataille États-Unis diplomatique qui t'a faite pour Mol Saint-Nicolas. Haïti, campé, jam, li dit le pape bay Mol Saint-Nicolas. Bataille diplomatique pour ne yon prend Mol Saint-Nicolas. Haïti dit non, li pape bay. Pendant que Haïti dit non, République Dominicaine te ouvri porte li. République Dominicaine te ouvri porte li pour États-Unis même. Prend la République Dominicaine pour le faire tourner au État américain. Maintenant, on a les biens pour nous comprendre. États-Unis ont un problème avec Haïti parce que c'est le seul pays qui te mette interdiction pour étrangers qui ont en dedans pays d'Haïti. Elle a dit que si nous avons gardé bien, les gardé nous, les politiques étrangères des États-Unis vis-à-vis d'Haïti, sont toujours fondées sur racisme. Les faits historiques sont là. L'histoire a démontré, avec des preuves, que l'ensemble des politiques étrangères menées par les États-Unis vis-à-vis d'Haïti sont fondées sur le racisme. Son petit pays, vous parlez, ouais. Parce que chaque fois que Haïti, vous gardez Haïti, nous remaillons de passé esclavagiste. L'histoire d'Haïti, rumeur fait Amérique changer que c'est un peuple esclavagiste l'idée. Rumeur, peuple haïtien, rumeur fait Amérique changer que si il y a droit civil et politique, si il doit être grand cas hérité, l'autre bois, c'est lui-même, c'est haïtien qui cause. Essayez de comprendre. Faites attention, mes chers amis. Prêtez attention à ce que je dis là. Nous pensons un peuple. Et situation ça n'a vive jodi à la. Position que nous trouvons nous là jodi à la. C'est pas jodi à là. C'est un plan qui était bien préparé pour ça. C'est pas jodi à non. Il y a travail pour faire Dominique, la République Dominicaine humilier nous. Peux m'expliquer nous bien. Yo pas voulu humilier nous directement. L'Occident pas voulu paraître directement pour l'humilier nous. Notre fierté nationale. Notre droit pour nous exister en tant que peuple, premier peuple nègre noir libre en dedans pays dans le monde, c'est pas premier, c'est pas là, c'est son bagage à préparer longtemps. Ça nous est là le comportement d'Abinader, c'est une phase, OK? Une phase dans un projet beaucoup plus global que l'Occident gagne pour Haïti, pour réduire Haïti à plus simple expression. Yo connaît nous gon tension avec la République Dominicaine. Yo exploité tension ça pour yo capable utiliser la République Dominicaine pour yo capable faire nous sentir que nous minables, nous petits, pour yo attaquer orgueil de peuple nous, notre fierté nationale. C'est ça fait, ou attendez, c'est ça fait au Kembe nous pauvres. Premier projet hein? C'est qu'aimer nous pauvres. Yo créer toutes les conditions nécessaires pour faire Haïti vin pauvre.
Et les États-Unis contribuent là-dedans pour faire Haïti vivre pauvre. Parce que c'est un discours ça pour fouetter l'orgue Haïti. Son petit pays, il n'y a pas qu'à monter sous lui pour craser parce que le monde a gardé. Mais il dit à fouetter orgueil nous. Orgueil national nous, fierté nationale nous. Il a crasé production nationale nous. Allemand de Clinton, si c'est menti m'a fait, il a tué cochon. Nous à nous, ok? Il a tué, il a crasé du riz nous, ok? Pour qui raison? Au nom du libéralisme économique. Au nom, il a crasé, ça a les entreprises publiques nous, ciment d'Haïti, acierie, asco, il a crasé, au nom de la privatisation. Maintenant, ce projet pour réduire Haïti, craser, faire vivre nos pays pauvres, c'est peut-être ça où ils ont utilisé discours. Haïti, c'est le pays le plus pauvre de l'hémisphère. Ils connaissent ça, Abdiya. Parce qu'ils connaissent pour combattre discours qui consiste à dire c'est le peuple, c'est le premier peuple noir indépendant dans le monde. Qui campait face au système capitaliste, esclavagiste, colonialiste, mondialiste dans le monde là, yo gon discours yo préparé pour nous pour fouetter orgueil nous. Discours sont entendus sur toute CNN, MSNBC, depuis yo parlé de Haïti, oh, c'est le pays le plus pauvre de l'hémisphère. Yo gon ça faire. C'est une façon pour craser moral nous, c'est une façon pour craser et dignité nous. Pour réduire nous à plus simple expression, pour attaquer, fouetter orgueil national nous, yo konn sa y'a fait. Yo konn sa fait. C'est ça fait. Les hauts descendent en Haïti, yo voye ONG yo, ONG yo sur le terrain, y'a fait photo, ti moun ki sale, photo ki, les zones ki pi mal yo, et puis yo prend photo sa yo, pour yo al vann image sa yo, au niveau de la communauté internationale, pour yo moutro comment Haïti, sale Haïti, pas bon Haïti pauvre. Mais son constat moins fait. Moi suivre li bien. Son bagage moi suivre bien. M'observer comportement l'Occident vis-à-vis d'Haïti. L'Occident est en guerre vis-à-vis d'Haïti. Mais en pile moun pa rann yo compte que l'Occident en guerre. Bon guerre froide entre Haïti et la et l'Occident. Nous pas besoin craser kon nou pour nous wè ça. Son plaisir yo prend pour yo garder nous cap métagine tout autant yo pas mettre nous à genoux pour yo plier nous yo interdit nous le développement. Moi l'expliquer nous un bagaille. Si nous voyons genoux nous avec Cuba. Cuba gon embargo sous lui. Mais le peuple cubain yo fier. C'est méthode ça. Que l'Occident toujours utilisé pour le coffrer pays qui campait en face. Dès que vous campez face à l'Occident, les gon façon pour le coffrer. Et puis, Cuba, il fout un bagou sur Cuba. Venezuela fait fréquent, il fout un bagou sur Venezuela. Les coffrer. Mais Haïti fait fréquent par là depuis 1804. Yo commencé à coffrer nous depuis 1806. T'aimerais dire samedi encore. Premier peuple que l'Occident commence à coffrer, qui a subi embargo, qui a subi isolement, y a barré route pour pas exister en tant que peuple dans le monde là. Dire les Haïti. Haïti fait 200 ans. 200 ans, n'a pas résisté à humiliation. Y'a humilié nous toutes gens. L'affaire Batch, l'affaire Luther, et massacre de la République Dominicaine, massacre Persil, l'occupation américaine. Y'a humilié Haïti pendant 200 ans, toutes gens, de toute façon. Y'a concocté tout embargo noué. Tout coup d'état nous rendait dans le pays d'Haïti. Yo ko cocktail. Yo pas vle pays ça stable. Yo pas vle que nous paraître
comme un modèle de réussite dans le monde là. Parce que le jour que Haïti t'a vu tourner, t'a vu comme ça le développement économique dans le monde ça, mes chers amis, m'ba nous garantis, c'est dit nous dit que un pays capable de faire révolution, capable de camper face avec l'Occident et puis pour le développer. Ils nous ont interdit le progrès économique. Ils nous ont interdit le progrès scientifique. Ils nous ont interdit la révolution industrielle. Ils ont interdit nous révolution technologique. Ils ont crasé nous. Mais nous still camper debout. Nous ne pouvons pas plier. Il y a des problèmes avec le fait que nous ne pouvons pas plier. Il y a des problèmes du fait que nous ne pouvons pas plier. Notre résilience, lui dépasser l'entendement. Yo. Yo pas qu'à comprendre comment ti peuple ça fait pas vle plier. Comment ti peuple ça fait pas vle mettre à genoux. Comment ti peuple ça fait pas vle accepter au marché sous lit. Comment ti peuple ça fait pas vle yo cracher sous lit. Eh bien, nous dit non. Parce que en réalité, nous sommes un modèle. Nous sommes un modèle de résistance face à l'oppression. Nous formons un modèle de résistance face à l'injustice. Nous sommes un modèle de résistance face avec l'esclavagisme. Nous sommes un modèle de résistance face au colonialisme. Nous sommes un modèle de résistance face avec un ordre mondial inhumé. La dignité humaine, c'est le pays d'Haïti qui fait respecter ça dans le monde occidental. L'homme, la liberté humaine, c'est Tinek Noa Tête Green en Haïti qui redéfinit ça. Tinek Noa Tête Green redéfinit l'homme. L'anthropologie haïtienne. By naissance, avec ça, les droits universels, droits humains universels. Faites attention, mes chers amis. Lorsque Français a dit droit univers, droit de l'homme, le nègre, pas homme, en France. Il a fait référence avec blanc, qui c'était homme. Parce que il était considéré haïtien, le nègre, comme étant une sous-espèce, comme étant une race inférieure. Il n'a pas considéré nous comme homme. D'ailleurs, les législations coloniales, l'ordre juridique colonial était consacré. Ça. Mais maintenant, t'aimes dire non, t'y bagay. Puis, gars, nous sous-estimer capacité, nous, en tant que peuple. C'est une grave erreur que nous fait. De nous sous-estimer capacité, nous, de peuple. De nous pas conscient de puissance que nous gagnons. Nous sommes grands peuples. Nous avons grande histoire. Pas gagné, nous connons le monde traversé dans le monde là, que pas fait peuple haïtien traverser. Pas gagné, en termes d'humiliation, déception, que vous fait le monde passer dans le monde là, que Haïti pas connu. Nous connons coup d'état, massacre, invasion, maladie, tremblement de terre, terroriste, gang, ONG, dictature. Pauvreté, misère, chaos, humiliation, déception. On a tout connu. Maintenant, dernier message moi pour nous. Je dis, ma patrie sim à peuple haïtien, peuple souverain ça. Le monde a observé face avec situation République dominicaine. Mesure que République dominicaine prend yo pas simple. Li target notre fierté de peuple. Existence nous. Yo target. M'a dit nous là yo dire. Nous pas rien à perdre. Nada. Yo crasé tout bagay déjà.
Yo crasé tout bagay. Non mais nous, nous pas rien à perdre. Vous comprenez raison? Parce que nous avons tout à gagner. Seule sa nourriture pour nous gagner bataille ça. C'est capacité de résilience non. C'est capacité notre esprit de s'aligner. Notre esprit de peuple libre. Notre esprit de fierté. Notre esprit de nègre. Notre esprit de guerrier. Notre esprit de résistance et de résilience. C'est lui-même qui a attaqué la psychologie. C'est psychologie nous a attaqué. C'est mental nous a attaqué. Yo mettez nous à genoux mentalement. Yo mettez nous à genoux physiquement. Yo craser économie nous. Yo craser l'état nous. Yo craser système éducatif nous. Yo craser toute bagaille. Nous still debout. Nous still dans figure. Nous camper. Nous pas comprendre comment nous fait camper. Pendant 200 ans, nous camper. We stand. We still standing. Et nous avons toujours continué standing. Nous avons toujours continué camper. Yo met dit nous c'est premier. Yo met dit nous pauvre. But we stand. Nous avons campé. Yo met dit nous l'aide, n'a pas campé. Yo met dit nous pas beau, n'a pas campé. Yo met dit nous pas rien, n'a pas campé. Yo met dit nous, yo met ba nous depuis c'est nous qui gagne. We have to stand. Son devoir pour nous camper. Si yo besoin détruire nous, y a détruire nous tout camper. Si yo besoin éliminer nous, y a éliminer nous tout camper debout. Mais vous pas qu'à éliminer nous à genoux. Vous pas qu'à éliminer peuple haïtien à genoux. Y a éliminer nous tout campé. Y a détruit nous tout campé pour avoir osé. Pour avoir osé dire non au colonialisme. Pour avoir osé dire non à l'impérialisme. Pour avoir osé dire non à l'esclavagisme. Pour avoir osé dire non à système d'oppression dans le monde là. Si vous crasé, y a détruit nous debout. Mais nous pas qu'à nous pas qu'à tomber, nous pas qu'à détruire nous à genoux. Nous pas détruit à genoux. Nous pas rien qui rete, celle dignité nous à fierté nous. Y a pile monde qui pas comprendre ça m'a dit là. Moi-même, m'a vivre aux États-Unis d'Amérique. Gen monde qui dit moi ici m'pa paix États-Unis. I don't give a fuck nigga. Et on dit, oh oui, monsieur États-Unis, il a parlé comme ça. I don't give a fuck. Les gars. Bal ba nou pou guérison, I don't give a fuck. Nan l'âge moi, il a m'baka. M'baka ke. M'son être humain. M'son haïtien. Je suis un serviteur de la vérité. M'son serviteur de l'amour. M'son serviteur de la justice. M'ba se, et pas votre m'a servi. Et pas green my moulin, m'a servi. Les mal travail États-Unis, et souhait m'souhait green moi, et pas cadeau femme. Les m'lève mal bouiqué, c'est boule green moi, moi souhait pour mal bail à le, et pas cadeau, yo femme. Si on pas de craser pays, si on pas de fucking fuck up pays, n'dap nan pays. Yo pas faire un cadeau. Yo pas mettre baboquette dans diol moi parce que yo pas faire un cadeau. C'est souhait fom qui met manger tout à moi. C'est Freddy pas Freddy. Me prend la rue. Pour me souhait boule grain moi pour me travailler. Ou pas capable vinn dim américain. I don't give a fuck. Mais souhait me souhait. Et soit monsieur, je vais faire un cadeau. Peut-être
États-Unis pour me faire mes gemmes sur injustice. Peut-être mes États-Unis pour me faire mes gemmes hein, sur injustice. Sous crime, sous oppression que peuple m'a subi. Non, pas un caca comme ça. Pas un caca comme ça. Pendant 200 ans, plus passé 200 ans, yo kembe peuple là dans le coup. Plus passé 200 ans, yo kembe pays dans le coup. Plus passé 200 ans, il a fait nous rendre sang. Plus passé 200 ans, il a mis pied sous coup nous. Il va appeler nous exister dans le monde. Yo privé nous de droit pour exister tant qu'un monde, tant qu'un peuple, tant qu'une nation qui digne pour exister. Yo pas vrai ça, yo interdit nous l'existence. Qu'on a qui ça nous gagne pour nous paix? Qui ça nous gagne pour nous paix? M'a regardé haïtien. Compatriotes, nous, qui mettre des bagages sous tête, pour après quitter la République Dominicaine. M'a regardé, yo, mallette, yo, dans tête, yo, gain qui honte. Tellement, yo, maltraité, yo. Gain arrivé sous frontière, tu valise, yo, sous tête, yo. Gain pas même qu'on côté, yo, pour aller descendre. Gain pas même qu'on côté, yo, pour aller. Gagne pas même contre côté, vous allez. Vous prenez ma lettre, vous mettez sous tête. Mais vous connaissez la caille, vous avez montré. Gagne un haïtien, m'a regardé, qui a dit, ah, vous maltraitez nous, c'est vrai. Même qu'on est, un pays, m'a été dans le pays, ça me gêne, m'a mangé. C'est l'amour du terroir. Ou pas qu'à cracher sous ça, non? L'amour du terroir, ou pas qu'à cracher sous ça. C'est le patriotisme. Et là, on ferme les portes pour où? De yo. Des étrangers pour ses dos. Ou qu'on a un bout de terre, 27 000 km², qu'on a allé pour réfugier. Là, on pas qu'à pousser dos de yo. La diaspora juive subit en pile humiliation. La diaspora juive tellement subit humiliation, yo vin pa, yo seul bagay yo toujours kembe identité. Yon nan bagay yo peur la kay nou. Quel que soit tout côté nous passer nous c'est haïtien. Nous rivé en République Dominicaine nous c'est haïtien. Nous rivé Chili nous c'est haïtien. Nous rivé Brésil nous c'est haïtien. Nous rivé Mexique nous c'est haïtien. Nous rivé États-Unis nous style haïtien. Il a forcé nous pour nous railler pays nous. Mais malheur à vous même ou ta railler pays ou. Malheur à vous même sous ta railler pays ou. Parce que la caille, c'est la caille. Et non. Regardé une dame qui dit le besoin de tourner dans le pays, Haïti. Mais il va gagner ressources dans le pays, il va gagner moyens. You know, nous-mêmes dans la diaspora, ça, faut nous apprendre à mettre tête ensemble.
you know. Pour nous apprendre à mettre tête ensemble. Pour nous apprendre à vivre tant que monde avec dignité. Rowan. Ma jam fin comprendre. Vin commencer comprendre ça fait nous peuple nous exister même. C'est pas parce que nous riches. Nous sommes peuple qui pas riche. C'est pas parce que nous avons l'état qui soucie de nous-mêmes. Non, au contraire, nous sommes peuple qui livré pour compte. Nous pas gain gardien, nous pas gain monde qui veille sur nous. Les séquelles de la colonisation sont encore présentes dans nos quotidiens. Les séquelles de l'esclavagisme sont encore présentes dans nos quotidiens. Ils ont stigmatisé nous. Nous pauvres, c'est vrai, mais nous sommes peuple qui riche dans l'esprit. Et c'est ça qui fait au peuple, au peuple nous. Nous riches dans l'esprit. L'esprit nous riche à mort. L'esprit nous riche du puissant. C'est ça qui fait, il fait complot pour barrer route l'esprit nous parce que nous avons réalisé de grandes choses. Il y a toujours des haïtiens qui arrivent tel côté. Haïtiens à briller. Haïtiens à ceci. Haïtiens c'est gros bagaille. Haïtien, c'est gros côté. Parce que l'esprit haïtien, il est puissant. Il est puissant. Aïe, au poil. Il go trop à l'aise, il a fait pas j'aime fin trop à l'aise aux États-Unis. En plus, le monde qui dit ah monsieur, pas j'aime fin trop à l'aise. Kaimon. Moi, en plus, le monde diaspora, quand vous voyez Koyou, Kaimon, pas j'aime à l'aise. Pas j'aime fin trop à l'aise. Et j'en ouais, Abinader fait mes potes liés. Bonjour, qu'à privé, c'est exode, pas nous, on ne peut pas le faire. Y'a rien pour foutre nous dehors, tout. Quel que soit côté nous, y'a dans le monde. Les haïtiens, à pouvoir koyou, qu'à étranger. Y'a fait compétition. Ça te pille bien ceci, ça te pille bien cela. Oh, rivé dans le pays, moun yo, depuis longtemps, pas régler rien. Régler qui ça? Bon, dis non, petit bagaille. Combien ici nous connaissons qui milliardaire aux États-Unis? La communauté diaspora. Combien ici nous connaissons qui arrivent aux États-Unis qui milliardaire? 99% haïtiens dans la diaspora. Gen ka fondé 150 000 dollars. Non. Gen ka fait plus au moins 300 000 dollars. Là. Mais en sérieux. Après, moun sa achete un petit kay. Après, il y a une petite machine. Il y a 2-3 pour monter manger sous table à Kali. Il y a 2-3 pour répondre à besoin petit qui famille. Mais est-ce que ça veut d'où son grand haïtien? Est-ce que ça veut d'où son grand haïtien? Le problème qui vient, c'est que il a parlé de millionnaire ou milliardaire, ou pas mettre non en liste. Ou pas exister. Pour l'élite américaine, ou pas exister. C'est ça qui fait le plus souvent. Ou obligé toujours replier dans la communauté haïtienne.
pour aller faire bouteille dans la balle. Parce que c'est celle-là qui a existé. Vous contrôlez ce qu'a acheté. Vous contrôlez ce qu'a carité. Vous contrôlez ce qu'a mangé. Vous pas imbécile. Vous ensemble de ressources financières, vous pas bon accès avec vous. Vous moniteur. Vous connaissez les immigrants. Vous mettez fait de grandes études, vous mettez décoché diplôme avant. Vous connaissez qui vous café, qui vous acheté, qui vous a consommé, combien vous a dépensé. Vous connaissez les machines ou pas qu'à rouler. Debout où les machines ça ouais en bas d'ailleurs y a flag ou son flag lié dans les quartiers tout à l'état là-dedans son flag lié dans les quartiers debout à l'état là-dedans les flag mon yo association résident dans zone là après lié y a demandé pour faire investigation sur find out background. Gede machine ou entre dans maison à l'acheter, yo rele, maison rele, yo background ou, yo fait check sou. Et pas raciste, yo raciste non. Yo pas comprendre, yo interdit, gede bagay yo pa ba ou accès avec. Yo contrôler son système qui contrôle. Yo wan un gros machine. Bentley, Lamborghini, whatever ça lié. Yo pull over. Ou di yo raciste? Yo profile ou? Wesh yo profile? Eh ba wesh yo profile non? Un mon second. Eh ba couleur qui problème non? Yo connaît qui ça au bord droit pour manger? Yo connaît ça au bord droit pour gagner accès à elle? Système n'a pas réfléchi pour vous déjà. Système n'a connaît qui ça pour mettre dans l'assiette ou. Système n'a pas dit qui manger pour vous lè. Qui machine pour vous lè. Système n'a pas décidé qui côté pour habiter. Maintenant, l'obvio, l'o acheté, l'o boule ou machine qui pas correspond avec niveau de vie ou. Système n'a flagou. Gen yon bagay ki pa normal, li fò yon signal pou di gen bagay ki pa mache. Gen de machin ou genye, yo konnen yon pap jwenn machin sa nan katye sa. Gen nan Brooklyn nan. Gen de kote nan Brooklyn nan, gen de machin ou pa ka jwenn yon la. Un, yo pa fè route pou yo. Route yo pa nan etat pou yo. Deux, moun ki rete nan zone sa yo. Yo pa ka gen machine avec ou pa ka gen machine ça ou rete non zone projet devant projet derrière projet sous côté projet à gauche à droite le gars des maquettes le gars des caillou le gars des cailles qui dans zone là dans maquette là combien cobre yo coûté le gars des médiane ou garder income moyen zone ça où est moun ki lot boy c'est 56 57 000 dollars par an. Maintenant qui sa yon machine 2.6 millions de dollars vin fè dans zone ça 30 40 60% moun nan zone nan food stamp 60% moun nan zone nan food stamp. OK, c'est bus qui passe dans zone là, c'est train yo mette qui pour passer dans zone là. Maintenant dim kay moyen on kay wi pibiti kob on kay vend dans zone là pour vendre c'est kay et 300 000 dollars 200 000 dollars 400 000 dollars. Maintenant si kay dans zone là coûte 400 000 dollars revenu moyen zone là c'est 56 000. Moi, nous, 56, 60 000. Yo mette boss, yo mette. Ok. L'organe des zones où est immigrant seulement dans la zone. Où est noir.
OK, dans projet yo, ou est noir, ou c'est immigrant, ou c'est haïtien, ou c'est Guadeloupe Trinidadien, Jamaïcain, c'est si c'est là ou est yo seulement dans zone là. M'a fait cartographie pour nous. Nous c'est un imbécile, nous le système non sort. Système non pas sort. Maintenant posez tête aux questions. L'homme est dans zone ça. Avec une machine qui coûtait 2,7 milliards de millions de dollars. Police campé où? À machine ça. Ou elle dit raciste? Comment le raciste là? Oh! Gèlem baka konti machine ça dans zone ça. Non! Police n'a pas ça le dou. Ou pas comprendre le système là. Ou pas comprendre le système là. Ou vin dans zone. Ou vin avec une machine 2,7 milliards de dollars. Son flag lié. Son flag lié. Faut yon checké ou. Pour qui raison? Yon checké ou pour yon connaît est-ce que son moun ka passe? Ka ki réside dans zone milliardaire? Ou bien sou réside dans zone ça? Est-ce que c'est pas machine son volé? Parce qu'on pa gen ressources? Pour conduire une machine 2,7 milliards de dollars. Et normal, pour vous, c'est tabou. Et pays a fait. Quand on a toujours aimé, black, yo, cap, oh oui, raciste, raciste. Non. Pas bah, question raciste. Non, Brooklyn. Non, Brooklyn, non. Sous Flatbush. Ou kafou, ou fait toute journée sous Flatbush. Sorti juste en bas pour arriver juste en haut. Fait toute journée sous la bouche. Dis-moi combien Maserati, dis-moi combien Ferrari, ou est-ce qu'a passé qu'a couru. Dis-moi combien et Bugatti, ou est-ce qu'a couru. Maintenant. On sait des machines pour faire yo, c'est sous commande pour faire yo. Commande oui pour faire yo. Et puis qu'on y a ou pour on machine yo yo ouais on machine comme ça dans mitan Brooklyn. On y a police pour l'ouvrir. Oh, ou raciste non ou pas raciste. Zon ou yé à blodeur. Zon ou ap kondi machine nan. Li pa fait pour machine sa yon kondi. Ou trompe. Est-ce police nan kampo pou le mando? Est-ce qu'on perdi? Ki direction brale? Pa yon nan are ya, koto e ya. 60% moun la dan nan foot step. Nan are ya kote machine 2,7 milliards de dollars a passe ya. Et revenu moyenne, c'est 56 000 dollars liés. Dans l'area, ça a coûté machine 2,7 milliards de dollars, ça a passé. Quand il a donné un pic, quand il vend un pic, c'est 500 000 dollars le vend. Et moun qui dit, moun qui dit, quand ça a, qui vend un pic, ça a 500 000 dollars, li pas couru, machine la couru, pis gros machine la couru, son Mercedes-Benz lié. Ou même, yo, ouais, ou non, zone ça, avec une machine, 2,7 millions, millions de dollars. C'est normal pour yo pour l'opou. C'est normal pour yo pour l'opou, pour yo mandou, pour yo checker, qui est sous une zone ça? Ok? Est-ce que c'est trop pour tromper? Est-ce que c'est perdu ou perdu? Ok? Est-ce que c'est perdu ou perdu? Est-ce que c'est, qui moun ou gagne? Parce que yo koné comment faire gagner yon moun nan zone sa comme zami ou? Qui est lié? Qui est nan zone sa? Qui pou gon zami? Qui gon machine? 2,7 millions de dollars? Et puis pour lui même pour lui rete nan zone kote 60% moun la dan nan foot step? C'est bus qui kap passe matin midi soir? C'est train kap passe matin midi soir?
Et comment faire ça avec Mounsa? Qui côté nous rencontrer? Qui côté nous rencontrer avec elle? Dans qui zone? Est-ce que nous t'es, est-ce que t'es à, ou pas qu'à tout à Vod, University avec elle? Ou pas qu'à tout est passé hier avec elle? Parce que dans zone ça, zip kodou, geta dou dans qui l'école ou doué été. Maintenant, cependant, Sourivez Beverly Hills. Sourivez Beverly Hills, California. Yo pa kampe yon machine, Bentley. Yo pa kampe yon machine $2.7 milliards. Yo pa kampe. Parce que c'est ces machines ça yo roulé là. Toute la rianette, c'est machine ça. C'est show off machine ça seulement bien. Yo pas pas campo. C'est mode de vie yo. C'est comme ça au vivre. Mais au même, ou j'ai un vieux immigrant, mais dans une vieille zone Brooklyn. Ou chita la mami. Je mets dans l'île de Haïti, Pano Beach, Pompano Beach, ou allez avec auto hier là, ou pensez vous pas qu'il y a un contrôle, combien de corps vous avez gagné? Un petit bloc fait bat corps. Nous pensez, nègre, pas fait payer, qu'on y a là, là où on pas qu'à passer dans le système, là, qu'on y a cherché, ou à louer en Vieti, ou à louer en Tibet, là, à faire nous, nègre, sur les réseaux sociaux, à dire, en bas rouge, en lait rouge, en bas rouge. En les rouge, en bas rouge, en bleu rouge, en bas rouge. Et c'est ça, qu'a offri, c'est ça que fait un nègre là. Les gon crise, ti nègre là, le besoin montrer qu'il réussit aux États-Unis. Non, qu'ils ont réussi. Nègre là, passe, il met un petit rat sous lui, un petit rat. Non, qu'ils ont réussi. Ou pas réussi, non, yé! Tout, parce que beaucoup qu'on s'est réussi. Tout, ou réussi, non, qui ça? On va le faire bouter. Nèg la touche un petit paycheck. Chaque vendredi, il touche un $500. Ou bien il touche un $1,000. On dit nèg la fait $4,000 par mois. Chaque vendredi, il touche un $1,000 ou bien $1,200. Il retire $300 la donne ou bien $400 la donne ou bien $600. La longue balle, il dit le va le faire bouteille. Nèg la va le faire bouteille. Au VIP. VIP, nèg la, $500 au VIP. $600 rentrer dans VIP. Après, oh oui, shit, ti boss nan ki sa. Ti boss nan ki sa. On a ma kak, pauvre bouda chire, deux pour mouda nou nan la ri, nan fe kaka, oh ti boss. Ti boss nan ki sa. Ti boss pa même reconnaître nous, non? Comme épave. Yo a même reconnaître nous. Dega ben nou ti costume, dega ben nou ti mayo sou li ka fe kaka, yo green mayo. On millionnaire pas mettre mayo ça fait à nous moun ki gen l'argent pas fait caca pas dans ti boss moun ki gen l'argent pas faire mak caca et nous ka fait caca moun milliardaire pas faire caca milliardaire papa sou ti mayo simple li mettre sou li on ti mayo simple pendant 7 ans li met ti mayo simple là li gon Rolex nan men ki coûte combien million on ti mayo très simple. Mais là, elle a descendu tout. Ou est-ce que l'argent qui a descendu? Si sandales, si tennis, bien bagay. Bien simple. Mais ou même, comme ou pas existé, comme ou bon crise existentielle, faut mettre ti boss, faut mettre en bas rouge, faut mettre louvouton, faut mettre faut mettre Prada, faut mettre c'est là, faut mettre louvouton, faut mettre ceci, faut mettre cela, faut mettre côté si macron non yo net, faut mettre macroscope ou avec ceci c'est là, faut mettre un paquet causé on va écraser balala, on va écraser balala. Je dis à la, m'a l'entrée nèg yo tant qu'on faux papier. Nèg la son paycheck. Nèg la son paycheck. C'est ponche, nèg la ponche. La clac in, la clac out. Et puis il pral écraser, bal. Moun fou. Haïtien moun fou. M'a écraser bal la.
m'a écrasé, oh, m'a gardé, m'a fait bouteille, gardé, m'a bon jambe, m'a campé là, bon jambe, m'a lié là, bon jambe, m'a lié dans balle là, c'est mon dieu, m'a le poulop, non, qui se m'a le poulop, ou sont deux pommes d'or, mal les raisons, vieille migronye, ou vide non pays, ou a fait caca, ou, non, qui se m'a le poulop, ou qui m'a rien dans mon poulop, eh, ma cac, fait bruit dans un moun, oh, m'a le poulop, non, qui ça, qui s'en vient dans mon poulop là, oh, nega, on ti box, on ti BMW box, yo. Oh, il parle pour l'op. Non, qui ça? Ou parle pour l'op, là? Non, qui ça? Eh, caca, oh oui, bouteille, lié, tonton, bouteille. Oh, y'a, ou appelé l'estomac, ou un paquet de vietafia. Y'a pas de bonne qualité, ou a fait caca. Y'a pas de bonne qualité, non, ou a fait caca. Oh oui, bouteille, qui bouteille? Un, ou salon pris bouteille, ou je n'en tout liquide store, fait caca. Ou entre dans le corner à la wale non liquide store, ou prend même vieux bouteille là, ou fait caca en dedans restaurant, dans le dedans bal là, même vieux bouteille ça là, nan, ou je n'en liquide store. Abo marché, fait caca plein falou à l'estomac, ouais, bouteille, m'bal fait bouteille, oui, en bas où je lui ai tonton. On va rougir, tonton. On va rougir, y'en a qui ça? On va rougir, y'en a qui ça? On mon égard, mon imbécile. Un haïtien, tout va faire caca. On va prendre nous rien, non? On va rougir. Nèg la soupe et check. Ou bien, check ou y'en a? Nèg cap coupe et check. Cap si un check ou avant, on doit croiser, non? Nèg cap si un check ou avant. Chaque vendredi, on doit croiser. Fait caca. Une rance dans figu, moun. Un petit peu vieux check ba ou yo hein yo va faire caca qui koto gen pou faire caca bon dame comprend yo tout qui koto gen pour aller ouvrir ko a fort pas bon qui koto gen qui koto gen qui koto gen pour aller ouvrir ko si c'est pas dans tibal haïtien yo qui est dans tibal haïtien même nèg la qui vient chanter ay musicien artiste non dans soirée a on $4,000 vin fait. On $5,000, on $6,000 vin fait. Dans soirée, tout chante autant de chanter, artiste a vin chanter, son deal $10,000, li vin by plaisir. $10,000! L'opre tout moun ande dans bal la. Si gen, on dit bal la gen 200 moun qui envahi. On dit bal la gen 200 moun en dedans. Entre bal la, c'est $50. On dit entre balle là $50 à 200 moun. 250 fait 200 par $50. Ou gen 100 000 là? OK. Attendez. On dit gen 200 moun qui entre dans balle là. À $50 balle là. 2 fois 5 10. Fait $100,000. OK. Bah ouais, si c'est ou quoi j'ai bah quoi si me fait mathématiques là bien $200,000 ou bien fait me connaît bah on dit fait mathématiques là c'est soit bon zéro moins ou bien zéro plus on dit que vous faites $100,000 maintenant on dit boisson en dedans entrée seulement $200,000 $100,000 boisson seulement. Quel monde qui a vini, yo mette yo à $50,000 parce que bouteille yo, VIP. Oh, $10,000. Ça nous dit là. $10,000. Oh, oh. Ah, moi, je pense que c'est $100,000. $10,000. Ok, on dit $10,000. 200 moun à $50. $10,000. Maintenant, bon, moi, je me dépense, c'est $100,000. $10,000! 200 moun à $50,000, à $50, $10,000. Qu'on y a, qui côté n'est-ce pas fait comme là? Qui côté pour n'est-ce pas fait comme là? M'en dis, un brasson, pas fait comme là. Achetons dans le brasson, non, comment y'a les brassons ça? Achetons dans le brasson. Non,
dans liquor store, hein, acheter bière, acheter on dit n'a pas acheter on $5,000 boisson dans liquor store. Et Nessi, si c'est là, si walk, whatever the fuck it is, yo acheter pour on dit l'acheter pour $5,000. Et puis qu'on y a, il commence à faire à couper. Il dit oh, VIP. VIP. VIP 500 $. Ou gen deux boissons et pou gen place. On y a haïtien folie sou moun, ou c'est VIP lieu. Nèg la fait tout son petit chèque, ou il paye $50 la pon ti musique li vie moudal et bibil nan moudal, ou il va rentrer dans VIP. VIP. $500 VIP lieu chéri, non oui, leader fait femme nan ouais et femme il démontrer femme nan qu'il libre mettre mesdames yo qu'il dans VIP. VIP il est tanta elle ou elle chante li chita la VIP VIP elle fait caca qu'on a qui est sur le bluffé gain millionnaire en dedans fait caca dans 200 moun yo gain millionnaire 200 moun ki yo tout sous paycheck gain millionnaire en dedans. Bon, qui est-ce qu'on va le croiser en dedans? Qui dit qu'on va le couper en dedans? On met, non? Qui dit qu'on va le couper? Qui? Ok. Qui chance vous gagne pour croiser un milliardaire en dedans? Zéro. T'as poussé bourré à gauche, à droite. Qui dit, qui chance vous gagne pour ta croiser, pour ta tomber, pour ta frapper avec un milliardaire? Zéro. Zéro. Ou mette pour début, c'est VIP qui gagne. Qui possibilité pour ta chita bon un milliardaire en dedans? Zéro. Zéro. Maintenant, nous voyons des gens qui gagnent là, du argent milliardaire. Ils viennent chita la perdre du temps avec nous, viennent poter, viennent battre les bouteilles, viennent tirer dans la tête, viennent tirer dans la bouteille. Nous voyons des gens qui milliardaires. Côté, nous gagnons l'argent pour nous dédoubacher la tête au milliardaire. Nous fou. Nous gagnons assurance. Qui assurance? Et local nous le pour nous faire jazz pour nous faire jazz je gagne. Qui assurance nous gagne pour assurer tête au milliardaire s'il recevra une bouteille. S'il recevra un coup de bouteille. Vous avez la mienne avec nous. Eh mais qu'on y a là, on connaît. Bon tant que tu nous dis bagaille. On milliardaire est rentré. On milliardaire t'a décidé pour lui perdre. J'ai croisé de lui chita dans mi temps. Non, faut lui min fou nous fin boîte à fia. Vote nous red tant que ti cochon. Nous fin boîte à fia. J'ai ta fia di nan moun dan nous. Nous pas kon boîte. Et puis, s'entendez à la loi. Loi nan pays ou monte nan tête ou li. J'ai loi nan pays ou nan la coup prend sa ta fia seulement. J'ai ta monte nan tête ou. Sans ta fial pas seulement. Ligue ta monte dans tête ou. Qu'on n'a pas rien pour faire, c'est tirer bouteille. Ou tombe tirer bouteille à gauche, à droite ou sous bataille. Eh bien, loi monte dans tête ou. Loi rage dans famille ou monte dans tête ou. Qu'on y a ta fial dans tête ou. Qu'on y a premier bagage ou tombe tirer coup de bouteille. Qu'on y a un dion coup de bouteille parti. Là, le prend milliardaire dans tête. Qu'on y a eu la police. Ou pas, j'aime faire balle dans le pays. Ou pas, regardez. Next, milliardaires a conseillé des avocats juifs, j'ai fait. A fort de les faire balle dans le pays encore. Ou pas, on doit faire balle. Ou pas, on doit, regardez. Next, ça t'est organisé balle d'abord, on doit organiser balle encore. Même dit tout. Y'a retiré licence, non, mais on, pour pas, on fait bagaille comme ça. Même! On dit dans le pays. Ou est pour une raison? Yo quitte moun fou, fait bah, t'as l'autant de police de yo, ala, ouais, mesdames, yo avec jupon yo, pantalette yo, les batailles commencent à tirer, oui, qui est-ce qui gagne pantalette Prada, pantalette ceci, pantalette c'est là, oui, faux ongles, faux jet, faux linette, faux plume, j'ai ou pas pour yo, plume tete ou pas pour yo, bunda ou pas pour yo, pantalette yo de yo, oui, a petit coup de pied, vin rager, yo gagne deux boîtes à fia,
Wigla patyon, bon y'a plongé Wigla, Wigla, l'orgado y'a sauté Wigla, tombe non, bon figuia, gen Wigla privé juste nan géo, y'a poussé Wigla al deye, fonte pas le petit schéma, c'est la tibou de jip, pantalet, ton tanga passe dans front mounda yo, oh, et l'orgado y'a bataille, mette pied, y'on a pralé tanga, l'autre, y'on a pralé pantalet, l'autre la rale, Wigla, l'autre la lage, l'en la ri, l'autre la dit, eh, mais Wigou tombe petit, tout potet ou dehors, bien bay maré, plinjo, pati, tout bundo dehors. Mais ouais, ça c'est le, et le taf ya fini. Ouais, vous avez bagay bon, 4, 2, 3, 10 matin. Mais les avantre dans le bal là. Devi la kayo, ti pey tchèk la bagay, les avantre dans le bal là. Avant bal là, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, après midi. Oh! Petite kotoye là! Oh! M'a préparé m'la m'a dans studio! Dans studio! Oui! Raison m'a fait là! Raison pied m'a fait là! M'a fait son pied m'a fait son mou là! Oui! Oui, après ça m'a fait make-up! Oui, m'a fait cheveux là! M'a dans quel là, lui, il va le croiser, eh oui! Plume gel bagay, cheve nan tèt li pa pou li, pou pas gen li mena. Lundi pral ponche, lundi bonye bonye, fola l ponche. Lundi fola l bay blan, le yaway, mais, yo pral tombe kriz. On a la dotan de ala tou, yo pral la yo menen. Yo pral pou lop, lave machine. Alba lave machine. Machine senti bon. Ma pick-up. Non, prends l'autre bois. Mercedes Benz. Bon point. À court. Isuzu Toupé. Hello? Oui, I'm on my way. I'll be there in 5 minutes. I'm at the corner. Oh, girl! Look at you, girl! I like your wig. Who did your hair? Oh my God, a friend of mine did it. Oh, why beautiful. Oh, I love it. Look at this. I love it. Oh, look at your nails. I like your nails. Et puis, valise en bas, broyo. Il va l'entrer. Entrer dans la balle là. J'en rentre dans la balle là, il va qu'on a sorti. Les absorti. T'as fait fin dans la tête, yo. Viens, loi, famille, yo, monte dans la tête, yo. T'as des batailles pétées, oui. Ouais, absorti. J'en rentre dans la balle là, il va qu'on a sorti, non. On, yo perdit un zanteil. Regardez, yo perdit un zong. Yo perdit trois nails. Yo perdit plume G. Yo là, où elle a sorti à un plume gel long, un plume gel coûte, hein? Yo a joué à chez elle, cherché à la chaise là, souci à battre en bas, wig la penché non bas, et a cherché wig, et talon qui quitte la cassé, oh, on vieux bagage China, on vieux talon qui quitte China, vieux talon qui quitte cassé, les Québec qui quitte la dans pied li, fente pantalette la bâti non bas, bitch, I'll show you who am I, bitch, oh that bitch, take it on, oh that bitch, et puis police même, police vini, oh, wow, please, move, back up, police, hey bitch, you take your son, hey bitch, hey bitch, à 7 après midi, il était fini à yo. Nan coiffe, finawo yo, nan cheveux longs, finawo yo, nan tout cause, finawo yo, nan, oh, fin met plume, j'ai plume, zon, tout bagay. 7h après-midi, 2h du matin, wap cherche, gade,
Baga la pa même dire de 7h après-midi pour arriver à 2h du matin. 7h après-midi. Bah là, on prend 8h de temps ou bien 2h de temps. On prend 1h de temps, 6h de temps, non? Kaka voyé, pantalon parti en bas, cheveux parti en bas, les ongles parti en bas, yo tourné ma bouya. Yo tourné ma bouya. Qui ça t'explique ça? Malheureuse, pauvre, capon folie grande. Malheureuse qui défait passer yo ceci. Yo bitch who you think you are. Bitch who you. Moun nan kap dou bitch who you think you are. Tout le de ma propre te yo sou pay check, oui. Tout le de ma propre te yo pral ponche lundi. Lundi matin, tout le de pral ponche. Mais foyo, gade pande yo ande dans la foyo, ego yo monte yo, foyo montre yo supérieur. Foyo montre yo supérieur, yo all that. Oh, who the fuck you think you are? You don't know who you talking to. You don't know who you talking to. You don't know who you talking to. You know me? You know me? Am I your friend? You know me? Am I your friend? Who the fuck are you? You know me? Elon Musk, you? Kiso yo pa gon good nan moun do avin di yo me. You know me, kisa. You know me? You know me? Gen kap di you know me, pa kon menm gen green card nan moun dal. Kek sou TPS liye. Sou TPS. Hey, you know me? You know me? TPS. Ou gen TPS ou al bataille avec moun ki gen green card nan bal. Moun ki gen green card nan bal légal. Ou même TPS. Hey, you know me? Oh, TPS. Possession. Possession pourtant nous gen green card. Un vermet de l'esprit moun. Ou fait vin nan pays moun. Yo pou même avin faire grandise. Grand sessia en TPS nan moun. TPS ou gen. Hey, you know me? Gen même nan ou ti bout de résidence des nan moun al bataille avec US citizen. Ti moun nan fait ici gen bon anglais nan bouche li. Hein? Ti moun sa gete batou nan anglais. Ou même oui, ou nan parlant pile, c'est he come to me come to him, and then he pitch me fighting back, me don't let nobody baptize nan figim, aponchi batou, and then the fight gone on. Ti moun nan ti bon anglais nan men, se, oh, ou ti anglais sou bouchil fè nan beye, ou même ou fè de vinyar, vinyar kaka. Vinyar kaka. Vinyar kaka. Fokon nan ou. Nou yi ti ko ou, pou moun di le voate, hein. Mouri ti kor ou boule vo, ou fait pa et nan pays moun yo, ti, gen de bagay ou pa kote kor, gen de bagay ou ti piye sou gen, ou pa fouye kor nan zè de dossier. Mouri ti kor pou fit, pou légaliser tête ou pou chita ou, pou renje chita ou, ou pa ka fait gen ti piye, ou gen tanan show off, ou pa komem me bay nan pays. Moun ki gen président, moun ki si ti zè nan de nan pays, yon, gen zè de bagay ou fait vi nan ti piye, ou gen zè, ou pa pou fè ou, pral pou lop, plan yon pral pou lop la, ou pa mye papye nan pays moun yo pral pou lop, nan ki sa, ou pral pou lop. Oh, m'bal pour l'op, TPS, ATPS, m'bal pour l'op, policier, ma, ou là, m'bal pour l'op, oui, pour l'op, ou a fait vini nan Biden, ou bon, si Biden pour vini là, ou pral pour l'op, pour, non, qui ça? Mouri ti ko la, chita cherche quelque activité, pour ou est-ce aller avec figu famille, ou pour avoir Jésus là, nous prenons ti soin, mettez ti comme tu réfléchis à l'école, réfléchis avec qui côté pour l'activité, réfléchis à, oui, oui, qu'on y a paix pour y pas des poteaux, ou paix pour pas que si c'est là, qu'on y a, qu'on y a mes notes dans le monde, ou pas rien, ou pas une résidence, ou pas, ou pas même que TPS, voir pour ta résidence, voir pour ta gagner, pour ta citizen. Et on va rien anglais dans le monde. On y est, c'est lui. Mais je suis à la caillou, ok? Fais petit travail, mettez petit corps bon côté, serrez petit corps vous, ou on prend son tête ou, économisez, qu'il y a des bagages ou pas qu'elle fouille tout. Qui est-ce que vous avez fait tout? Qui est-ce que vous avez fait tout là-dedans? Possession, allez tipa pa tipa, allez doucement. Ou akoute grand créé, ou akoute grand limé. Bon, ou faites vini ou vini en compétition avec moun qui gen 15 ans, 30 ans en dedans pays. Et un moun fou. Eh, ici, c'est moun qui fou. Li faites vini là non vieux bagnin, li faites vini là non TPS. On TPS, non, li sorti pour faire concurrence à moun ki chita en dedans pays, qui gagne 20 ans, qui citizen, moun ki gagne 10 ans, ou même chaque jour pour aller devant immigration, chaque 3 mois pour aller devant immigration, pour aller parler, pour aller parler toute langue qui gagne sur la terre. Hein? Chaque 3 mois.
Chaque 3 mois, on va économiser comme pour avocat. Chaque 3 mois, on va le oui, de oui, est-ce que background nous te fait ou bien une question pour répondre. On va suivre grand créer, grand limena, grand poêle, grand bagaille, qui bien chita, qui bien rivé, qui bien fait. On va suivre. Donc qui sont pas suivre. Si courant hier, mouri quoi, mais si kobou là, gè des bagages qui beaucoup fait pour. On a ouais tel a fait gros session ou a manger pour les belles machines, les vins sous BMW, les X6, les X7, les X50, X30, les gens série C6, là, les gens bagaille, et puis on a ouais la pour les bagailles, c'est là, ouais, ou bien folie grand fond. Ambition prend on. Ou ap sur grand courant, position, faut qu'on statue. Faut qu'on ait statut en limité. Gen des côtés où pas aller. Gen des côtés où pas le fouiller de tête ou pas le perdre parce que statut pas bon. Gen des côtés où pas le fouiller de tête ou statut qui condamné ou. Ou kaka voye dans zone la statut condamné ou. Et là, problème nan y. Ou konon bo chita, asire chita ou. Puis na chire chita ou. Kon y a là. Qu'on y a rentré dans concurrence. Rentré dans concurrence. Oui. Assurer chita d'abord. Bon. Ou vin dans pays là, ou nan mette H la chis. Ou al mette, oh oui, ou al nan chita dans studio, al suivant se de grand mesdames. On grand se de grand mesdames qui nan pays a ka fè zong, pie zong, bien grand limé na A, L, L, A, N, L, P, L, registre NES, si, si, c'est là, gaye, gaye. Mesdames, ça, ou a travaillé, du, a pompé l'argent, ou a fait zong, ou a fait zong, yo, matin, midi, soir, matin, a fait la zong, zong, a soir, chaque week-end, y a fait zong, la machine, si, si, c'est là, grand prélè, grand prélè, grand limé, na! Ou même, vous faites vini, là, ou, bon, qu'on y a là, c'est petit job, y a chez vous, qu'on a bon, sou, balsu, grand créé, ça, ou. Un, balsu, grand créé, un, qui t'a balsu, yo. Bon, ouais, on t'es étudié en Haïti, n'a guisa. Homme d'étudieux, sciences économiques, nan, qui ça? Homme de unage, qui met les moudayou? Homme de unage, oui, j'ai été accusé que y a, eh ben, qui garde bon tout, accusé que y a, moun nan, États-Unis, nan, god pisse, ça vient nous de accusé que y a, qui met les cocos ou de accusé y a, qu'est-ce que y a, nan, qui ça? Ou vini au estomac, oh oui, mesdames, yo, dans le million, mesdames, y'a bien ou les bagages, moun yon nan grand pays, si anglais ou lit nan babouche, yo, registre de nes yo, yé, AN, y'a fait n'importe 100 000, 200 000 dollars, là, bagages, yo, gen boka, y'a ou les belles machines, c'est si, là, ou ouais, ou fait vini, là, nan Biden, ou bien TPS, nan, mon fait caca, ou bagages, ou pas, ou kavin concurrence, mesdames, yo. Anglais, bon, quand même, bon, oh oui, je, écoute, oui, j'ai été à Paris, j'ai été, oui, j'ai étudié à Cusqueya, oui, je fais mes études à Cusqueya, oui, vous comprenez, Cusqueya, oui, j'ai eu un éminent professeur, le professeur qui, là, moi, je pense que, depuis les circonstances, depuis les circonstances, ça, même pas les français, pendant pas les français, il y a un grand limena qui débarqué. On grand en bagay, bagay qui ge fait master li nan nursing, li chade la revil pou lop. Il dit, hey sweetie, hey, how are you? What's your name do? What's your name? What you from Haiti? Oh, okay, sweetie. I want to do my nails. Kon yo anglo pa fin tro bon, ou avin fè kaka. Oui, écoute-moi, je suis d'Haïti. Bullshit. Ou avin fè nails, avin pa le kaka. Ah, mais non, j'ai quoi pour ajuster quoi, mais je fais bullshit. Eh, bah, je suis là. Non, écoutez. Je n'ai pas les barous. Bah, une activité. Oh, tu petit chéri. Vous faites vini. Oh, ok. Combien ton gain de vous débarquer là? Ah oui, on va le faire CV. On va le faire CV pour mettre au qu'est-ce qu'il y a. On va le faire CV pour te mettre, oh oui, j'ai été à qu'est-ce qu'il y a. J'ai été à ceci, j'ai été à cela. Ah, tu as joué à activité pour sauver la vie. On va faire un CV, rempli CV, ah oui, j'étais à qu'est-ce qu'il y a, mes expériences, j'ai eu une expérience professionnelle enrichissante, expérience professionnelle enrichissante, je travaille dans l'administration publique, je fais des études, ceci, cela, je suis multiglotte, je parle plusieurs langues, je parle l'anglais, le français, le canadien, le pangol, le ceci, le cela, bah ici c'est l'anglais à audio. Donc bon quand même là il y a celle qui parle anglais. Oh oui, je parle anglais.
là. Oui, j'étais associé. Fait caca dans figuimou. Et mettez d'ailleurs là pour apprendre. Eh, y'a pas apprendre nous. Y'a pas apprendre nous d'aimer les vues ou commencer. Pour être sous qui pied ou à commencer. Eh, il vient faire ma caca dans figuimou. Eh, j'étais associé. Et puis, souvent qu'on voit l'église, même là, on voit l'église, y'a plus ceci là. Regardez, y'a ce Tahiti, y'a fait l'Uni. Je vois l'église, souvent qu'on rencontre l'église, je vois c'est pas le Batman l'église. Oui, mais dans le pays là, où grand, on sait des grands limés, na A, N, L, P, N, qui a fait l'argent. Ou même, vous faites vini, ou pas quand même légal dans le pays, y'a qu'on voit l'église, ou pas qu'on a un challenge, vous savez. Eh, vieux, y'a pas de trois vieux restes, rat, pour mettre vite, faire caca, ou vieux cousinou, bon vieux rat, raison vieux restes, souliers, pour mettre dans le pays, ou faire caca dans le pays, moun. Oui, je te, et présentez-vous. Pasteur Léguizan, oui, nous avons des visiteurs qui nous visitent d'Haïti, oui. Oui, présentez-vous. Oui, écoutez, moi je suis Géraldine François Belvedette. Oui, je m'appelle Géraldine François Belvedette. Je suis du je viens de Carrefour. Je fais mes études. Je suis avec ma maman et mon papa qui même ont un permis de là. On dirait que qui ça monde pour la navise. Ah, une grosse dans figu monde. Géraldine Belvedette. Géraldine Belvedette, vini pour vini craser. Géraldine Belvedette. Géraldine Belvedette. Je suis Géraldine Belvedette. Oui. Oui. Yo, bah, Géraldine Belvedette, le micro. Pour le présenter. Géraldine Belvedette. Bonjour. Bonsoir, bah, la paix de Dieu est avec vous. Oui, je m'appelle Géraldine Belvedette. Je suis étudiant en droit à l'université de droit d'Haïti. Je pense que c'est là. Il vient d'impression. Quand on goûte dans le monde, il fait caca dans le figu monde. Mesdames, vous venez. Tichéri! Qu'est-ce qu'il y a? Pas un check, femme limé, na yo. Yo gon, yo, yo, Emilio. Vous faites venir ti chéri. Oh, ok. Boubou, moi-même c'est AN. Yo bon business cap. Call me. Don't worry. Don't hesitate to call me. Give me a call. I will see what I can do for you. Alright? Just, make sure you have your CD, your resume ready. And then I will see. Just don't worry. Give me a call. Alright? We will talk. Ou fin parler français. Fais caca ou avant goût dans mon dos. Vive faire caca dans figuimoun. Et Géraldine Belvedette. Géraldine Belvedette. Vive faire caca. Vive parler français. Oh, je te accuse que y'a, ceci, là. Faut me voir, yo chit en de gros limena. En de dans l'église. Yo gros nes, yo gros ceci. Yo chit en de dans l'église. Y'a tant de Géraldine Belvedette qui a pradoté. Yo gon mode, yo gon de gros lunettes Prada. Qui couvre toute ma choua, yo. Gros chapeau dans tête, yo. Et y a regardé Géraldine Belvedette qui a pradoté en français. Yo, et puis y a un plan pour vous. Y a regardé Géraldine Belvedette. Oh, Géraldine Belvedette, vide ouvert, bobot, ni sous nous là. Nous pas dit Géraldine Belvedette. Ah, bien de Géraldine Belvedette. Géraldine Belvedette, c'est ceci, c'est cela. Et puis y a autant l'église dans la gueule, y a le côté Géraldine Belvedette. Oh, t'y chérie, c'est vous-même qui sortiez à Haïti, hein? Oh oui! Oh, ça fait longtemps. Ou côté arrêté ou bien? C'est papa qui entre ou? Non, oui, c'est dans le programme Biden dans la ville. Oh, ti chéri. Donc, oui, moi-même, je suis nurse interne, et A-A-N, interne, etc. Mais 4 mois, relève. Donc, oui, I got something for you. Les bons tiens, regarde, I got something for you. Donc, oui, I'm going to check with my boss. I'm going to speak to my boss about you. You know, I know you. I know you can do something, okay? Just build up your resume and then, you know, give me a call. Donc, oui, call me, you know. Regardez, vous campez dans la ligne pour vous venir milieu. Bon, l'autre, quand ça a fini le vidéo, oh, ti chéri. Welcome to our beautiful church. Welcome. I hope that's the next time you will come and visit. Listen, what do you do? You working right now? No. All right. Don't worry. This is my card. This is my business card. Give me a call and then we see what we can do. Don't worry. Don't hesitate to talk. Call me, you know. I'm sorry. Hold on a second. Do you drive? Oh, no. Don't worry. Just wait a minute. I will drop you home. Where you live at? Where your house at? Where you live at? Oh, don't worry.
Gen gro ben si chita de yo la. Yo gen place pou ou. Yo al depozo. Vwa yo bo ou li. A vin pa li franse, vin fè kaka. Yo pa bo ou li nan gro ben. Parce que faut respecter seniorité. Hein? Faut respecter senior. Seniorité. Yo la en rond. Revan. Yo fè place yo. Faut respecter. Yo pa ka vin pou propose vin aspect à franse. Vin impression yo nan ta ou nan vin fè kaka. Parce yo a bo ou li. A bo ou li. Yo don wa yo ap depozo. Mais on même va comprendre réalité comme ça yo emilio déposo et comme ça on même sous pas comme ça vous fait on va pas faire vini on va chercher un vieux job et chichi ou la go la bagage ça yo dit oui il fait chichi a connait dit comme ça oh oui there's an opening oui for do you have the license the HHA license ou pas même comme ça et chichi connait dit oh okay, sorry I thought you had aller dans gon petit collège yo bali for free et sous Sunrise hein quand tu collège yo bali for free sous Sunrise c'est 3 mois 1 mois 1 mois et bah ça va où yo va chichi yo veux aller dans chichi dit qu'on est au de qu'est-ce qu'il y a avec ça oh me dit qu'est-ce qu'il y a oui c'est qu'est-ce qu'il y a me dit on a le monde fou et nous pas droit. Matin ça nous vient en mettre un grand matin ça nous vient en mettre. Guys, c'est un plaisir de me dire avec nous moi mais nous pile que mais là va décourager. Bon. Grand matin ça nous vient en mettre nous famille. C'est un plaisir. Au point c'est réalité nous pour dire mais c'est bien mal. C'est bien malheureux. C'est réalité nous mais. C'est bien malheureux. Oui, c'est bien malheureux. Ma pour ma que vous mettez comme. C'est un plaisir de avec vous passer bonne journée. Fabi Dimbali. Fabi vous dit Fabi Dimbali. Fabi vous aimez plaisir. Vous aimez. Fabi vous pas bon non. Vous aimez plaisir. Fabi jeune. Fabi me retire tout stress là quand vous m'avez là. C'est un plaisir, passez bonne journée, alright. Ciao. En tout cas, capé calier canal à campé. En pile l'amour pour nous. Ciao.